Salut à tous, c'est Okoda et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, je joue contre mon pire cauchemar, Katarina. Ziggs, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais partir en 0-18? Est-ce que je vais rager? Je ne sais pas. Bon. C'est en mode, mais si c'est ton pire cauchemar, bah ban Katarina. Ouais, mais il y a Kassada en fait. Il y a l'autre cauchemar encore plus puissant. Hop, tu l'as pas vu passer celui-là. Hein. Oh, tu t'y attendais pas à ça. Hein. Ok. Donc, Ziggs, c'est un peu mon nouveau délire en ce moment. J'aime trop Ziggs. Ok, moi bon, j'ai tout mis hein. Pull me, j'ai tout mis. Vous savez quoi? Je vais dodge. Je vais dodge. Je vais back maintenant. Nice. Oh putain, j'ai eu de la chatte là-dessus. Ok, on va prendre le cookie maintenant. Là, le problème c'est que j'ai utilisé un petit peu trop de mana pour. Pour le poke en fait, donc c'est un peu chiant. Ok, je vais push beaucoup. Aïe, aïe, ça commence à être dur pour le top laner. Ok, on est 6. Oh non, il a pas. Non, il a parage kit. Oh, j'espère qu'il a parage kit. Ça fait 6 jours que j'ai pas joué au jeu. Oh non, s'il vous plaît. Non. J'avais trop envie de rejouer Ziggs, mais j'avais oublié le jeu en fait. J'avais où? Yes! C'est bon! C'est bon, c'est bon les gens, c'est bon. Ça va. J'ai eu un peu peur. Ok. Je vais pas mettre mon R sur Katarina, je vais jamais la toucher de toute façon. Ouais, elle est vénère en vrai. Elle est vénère, j'ai pas besoin de trop te forcer. Elle va péter un câble en fait. C'est comme quand au foot tu fais que des passes. Ils vont commencer à jouer agressif. Ils font pas de patience les gens. Bon, on a notre bot lane qui est en train de gagner. On a notre top laner qui est en train de craquer. Moi au mid c'est even en farm et je suis en 2-0. Et le match-up bah, il va être de plus en plus dur. Il y a Rakan qui décale, j'ai vu. Il y a Jhin aussi. Juste prendre l'XP là. Hop, je me barre. Là on a chaté là. Là on a chaté de ouf. Elle va péter un câble. Elle va péter un câble. Ouf. Allez Vlad, juste farm TKT, y'a R. Elle est giga tilt. Elle est giga tilt, mon gars. Je peux pas avancer, malheureusement. J'aurais bien voulu mettre des stacks, mais là, y a pas Garen. Y a pas Warwick. Je reprends les points de vie pour que le truc de Warwick se barre. Ouais, je sais que ça arrive. Rakan Flash, merci. Il me laisse pas avoir les plates, en fait. Les plates. Ça y joue bien du coup, mais c'est trop chiant en fait. Bon. Ah, j'ai beaucoup de gold là. Hein. Il est reparti. Ok,
Aïe 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 aïe, Vladimir, ne nous quitte pas trop tôt. Résiste encore un peu à cette haine qui t'envahit. Il a pas de R. Nice. C'est très très joli. Ah, bien joué. Mais je pensais qu'il me manquait moins. Non ! J'ai acheté deux baguettes explosives. J'étais en mode, mais il me manquait pas autant de gold pour la baguette pour le Luden. Vlad, please stop. Il est en train de turbo Alt F4 son jeu. Pour pas voir la réalité en face, ça me fume, mais en même temps c'est chiant. Je joue, putain. Ça fait 6 jours que j'avais pas joué au jeu. Je peux pas trop faire plus les gars. Putain, let's go! Oh, la barrière, évidemment, je peux pas la bait hein, contre Garen, vous comprenez bien que je ne peux pas. Parce qu'en fait, c'est un execute son truc, donc évidemment, utilisez la barrière avant que vous soyez dans le threshold. Finalement, et ouais, c'est bien ce que je pensais avec le WDX, on est quand même relativement safe. Hein. Là, il me manque juste le blue trinket quand même. J'ai un peu de troll. Ça peut arriver assez vite sur ma gueule. Ça, j'ai pas le réflexe en fait. Hein, je suis un contre, hein. Xerath et tout. Je suis un contre normalement à Jhin. Je peux balancer mes R comme ça. Il est obligé d'arrêter en fait. Je vais garder mon W pour après là. Ok, là c'est cool. Le combo est incroyable. Le combo est incroyable, c'est insane en vrai. Bon ça va, on avait un meilleur jungler et meilleur bot lane. Le top laner a pas complètement AFK donc ça va aussi. Ok, je vais warder là, on change de trinket, on n'oublie pas. Et c'était serré en vrai parce que... Ah non, c'était pas serré en vrai. Mid et bot ont trop perdu et le jungler du coup il avait qu'une lane. C'était la top lane, ils auraient pu mieux forcer. Ah, la Katarina a trop forcé en fait. La Katarina a trop forcé, c'est pour ça que j'aime bien Ziggs parce qu'en fait ça me change tellement de Nico. Nico, je suis un giga forceur. Hein. Oui, il prend rien, il prend pas de dégâts. Ouais. Ah, vous l'aimez vraiment pas tant que ça, Warwick. Boah, les dégâts! Ah, j'ai rien pour toi, désolé. J'ai pas spécialement envie de flash à travers, je pourrais W, mais bon, Ziggs, tranquille. Il a pas l'air si mauvais en plus le Vlad hein. Ouais, le Vlad a pas l'air si mauvais hein. Bon bah GG. Ouais en vrai parce que je suis pas un bon Ziggs hein. Je commence Ziggs. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien de mettre une Katarina en 0-6-1 et qui de plus est, était pas n'importe qui, je veux dire, c'est quelqu'un qui normalement carry toutes ses games, et ça me fait plaisir d'avoir mis ma petite signature dans son 0-6-1, alors qu'il détruit presque toutes les games et fait des quadrés kill avec Katarina, mais ça, c'est la base du champion. Bref, je voulais vous parler d'Instant Gaming, les gens qui sont notre sponsor officiel tous les mois, et en ce moment, j'arrête pas de l'acheter, bah, par exemple, là, j'ai acheté Village, Resident Evil, le 8, il est incroyable. Je sais pas s'il est encore en stock. Ok, il est encore en stock. Moins 30% à la sortie. J'ai buggé en fait. Le jeu venait de sortir.
Et il l'avait déjà, je pensais qu'il fallait attendre une ou deux semaines, voire un mois pour acheter le jeu. Donc ça fait trop plaisir. Et là, je suis en train de scout le Resident Evil 7. Malheureusement, il est hors stock. Quoi ? Hors stock ? Vite. J'ai rêvé où il était vraiment en stock. Putain, je le voulais trop, je suis deg. Je suis trop deg, putain. Bref, juste pour vous dire aussi... Alors, attends, mais les gens, ils sont en mode... Qu'est-ce que c'est Instant Gaming ? Instant Gaming, c'est un jeu où vous allez pouvoir acheter des jeux digitalisés les plus faibles sur le marché. Hein, vous vous rendez compte que Village, qui est sur Steam, hein, c'est même pas sur un truc perché ou je sais pas quoi. C'est vraiment sur Steam, t'as directement moins 30%. T'as plein de jeux, même les derniers, hein, comme ce Resident Evil. Et moi, je suis en train de scout, du coup, le set. Je l'ai mis dans ma wishlist. Et ils peuvent m'avertir, t'as un bouton qui t'avertit quand c'est en stock. Et des fois j'ai des emails et tout, mais peut-être que je vais peut-être regarder. J'espère que je me suis pas fait troll, j'ai trop le seum sinon. Autre chose, et bah écoutez, si vous n'avez pas l'argent pour acheter même Resident Evil à moins 30%, vous pouvez, dans la description et dans les commentaires, il y a un lien pour, par exemple, tu mets Resident Evil et tu mets participer. C'est un giveaway, il vous reste plus de 16 jours, je vous rappellerai dans quelques jours le giveaway. Tu peux mettre évidemment n'importe quoi. Est-ce que tu peux mettre des cartes ouais, PlayStation à 50€. Tu peux mettre deux mois d'abonnement pour du World of Warcraft. T'as vraiment tout, hein. Tu peux... T'as les Sims, t'as quoi? T'as GTA... T'as plein de trucs. T'as plein de trucs. Cyberpunk. Le jeu est peut-être débugué en ce moment. MDR. Bref, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas le giveaway. C'est gratuit. Et même si vous ne gagnez pas, vous aurez une réduction pour votre prochain achat. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao.